toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2. On se retrouve avec nos amis les datés. Ça se passait pas trop mal, on avait gridé un petit peu en lançant l'assaut sur Yuri ici pour couper au maximum les Zonodera de leur ligne de ravitaillement. Je pense que là, entre le fait que ils doivent être peut-être un peu à court de nourriture et que c'est l'hiver, ça va peut-être leur donner envie de se replier sur leur territoire, on verra. Si jamais ils font pas grand chose et qu'on prend leur ville, leur dernière ville, ils devraient disparaître du coup. Donc c'est plutôt intéressant, je pense. On va ramener notre petit ninja par là, tant qu'à faire. Hein. Et les Metsuke ici. L'autre ninja, il est où? Ah, il s'était fait buter, c'est vrai. Il s'était fait buter comme une merde, disons-le, en essayant de bloquer cette armée. Du coup, bah, il va falloir qu'on passe le tour pour voir un petit peu ce qu'on nous propose, hein, tout simplement. On a nos recrutements qui continuent d'avancer. Normalement, il devrait pas passer pour pouvoir aller les chercher. Au pire, s'il consommera tout son mouvement. Faut pas que j'oublie d'avancer mon petit bateau. Je vais peut-être lui planifier des mouvements d'ailleurs. Oh, les mouvements de troupes, c'est assez ouf. Oh! Ah d'accord, les Oda du coup me déclarent la guerre. Direct. Alors les... Ouais, les Nikaido veulent pas venir, forcément. Ça c'est un vassal donc il a pas trop le choix. D'accord, bah du coup on va laisser tomber le petit bateau, je crois. On va laisser tomber le petit bateau. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il est quand même très loin de pouvoir nous embêter, qu'on en a quasiment terminé avec notre cible actuelle. Par contre ça m'emmerde d'avoir perdu les Nikaidai comme alliés quand même. Ils étaient plutôt efficaces. On va peut-être pouvoir trouver des ennemis des Oda par contre, pour nous aider. Mais oui, là ça va être la grosse baston là. Hein. Alors là il fait un blocus, ok très bien. Et là il fait quoi? Un traité de paix il nous demande. Bah non. Certainement pas. Certainement pas. Alors, on a un Metsuke qui a monté de rang. Ok, donc les Oda, bah du coup, pas de. Voilà, hein, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Le fils d'un de nos plus loyaux sujets veut prouver sa force au clan. Ok, 1000 pour embaucher un nouveau général, ça me va, je prends. Donc ici, on a un blocus en cours et on a 3 navires de commerce de notre côté. Alors attendez, non, ça c'est l'ennemi. Non, l'ennemi on connaît pas et nous on a 3 navires de commerce donc on va pas aller loin avec ça. Est-ce qu'on annulerait pas nos recrutements du coup? Je pense que... Vu la force de l'Oda sur les mers, c'est clairement plus une priorité pour le moment. On va subir. Alors là, on est assez proche. Donc on va lancer l'assaut ici. En plus c'est une... C'est une petite ville de merde, on va la défoncer, ça fera une petite bataille pour notre Daimo, ça fait pas de mal. Hop, voilà. Oula, petit lag, non c'est bon. Petit lag de fin de partie, je vérifie, ça a l'air d'être... Ça a l'air de le faire. Ok, donc, ça c'est fait, du coup, hop, fin des armées. Parfait. Ça nous laisse du monde pour commencer à progresser. On va lancer ça directement. Ici, c'est légitime d'avoir le truc de chevaux, étant donné qu'on a un horse breeder. Par contre, si on voulait recruter, il faudra les bâtiments qui vont avec. On va peut-être en faire du coup. Ok, très bien. Là, c'est un château vraiment de base. Bon, alors, regardons un peu la diplomatie. Les Oda. Les Oda. Donc, on est en guerre contre. Les Oda. Ok, il a pas appelé ses alliés, visiblement. Ce qui est plutôt cool.
les Asano, donc on continue de commercer avec eux. Du coup, leurs ennemis, c'est les Naoe et les Zando, bah oui, c'est nous, et les Takeda qu'on connaît pas encore. Alors, les Naoe, ils sont amicaux avec nous. Est-ce qu'on pourrait éventuellement aller plus loin? Une alliance. Bon, après, ils sont plutôt faibles, ils font tampon pour l'instant sur ce flanc-là, donc je pense qu'on va peut-être déplacer nos troupes. Et qu'est-ce qu'on a qui nous reste avec nos ex-alliés? Accès militaire indéfini. Trade agrément. Ah, et on a découvert les Honma du coup, qui sont. Ok, qui sont cette petite île-là, ils sont en guerre contre eux, voilà, si ça les amuse. J'ai envie de dire pourquoi pas. Les Emma, ça pourrait être une des alliés intéressants, on va essayer de les draguer un peu. Une alliance, allez, une alliance. Un accès militaire. Échanger les otages. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un retour bureau brutal, mais visiblement rien de particulier. Non, j'ai pas vraiment besoin d'otages, hein. On va pas se fâcher. Ils ont un tempérament défensif, ils ont quand même 16 provinces, ils sont plutôt bien. On va leur faire une petite proposition. Ils veulent pas rejoindre, mais il y a moyen que quand ils nous aimeront mieux, et si éventuellement ils grandissent un peu, ils acceptent. On n'a plus de place pour nos routes commerciales maritimes, de toute façon malheureusement nos routes commerciales maritimes vont probablement pas tarder à disparaître. Ah mais on les voit les Takeda du coup. Ok, maintenant qu'on a pu faire le commerce, on les voit. Ah, ils sont énervés, hein. Au centre là, il y a vraiment, 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 c'est la grosse, grosse baston, hein. Bon, bah du coup, il va falloir qu'on se déplace. Alors, la première ligne de front, elle est par ici. Donc je pense qu'on va rapatrier cette armée là, là-bas. Et cette armée là, ici. En termes de maintien de l'ordre, ça donne quoi? Non, c'est quand même la merde. On va recruter. Un péon, voilà. Ah, peut-être un Metsuke. Tiens, bah toi. Non, il va avoir besoin de toi aussi, je pense. Donc tu vas te déplacer par là-bas. Le ninja. Pareil, ça va certainement être ici notre première option. On va recruter du coup. Alors pas un moine, un ninja ici. Voilà. Vous allez vous replier là-bas plutôt pour attendre notre cher général qui sait gérer les. Alors on va mettre notre armée de garnison là, tant qu'à faire. Stop, arrête-toi. Tu vas donner ta cavalerie. Ici, voilà. On va garder quand même. Cette armée là. Et tu finis ton mouvement. Ah merde, du coup t'es trop loin. Tu peux terminer toi. Vas-y, hop. On va faire sauter les taxes pour un tour. Et prochain coup. Tout le monde a terminé son mouvement. Ok. Très bien, très bien. Donc ça veut dire que le mouvement est une moyenne de la vitesse des troupes, hein. On a enlevé de la cavalerie, il a perdu en mobilité pour toute son armée. Intéressant à savoir. Ici, on va, je pense, récupérer ça. Hop, on va l'envoyer là. Toi, tu vas garder ça. Ah, par contre, ça gueule avec juste ça. Oui, mais le château va revenir, donc c'est pas trop un problème. Ici, on a un ninja de plus. Notre moine va attendre là, ça lui fera un petit peu d'XP et il ira dans l'armée de notre frère. Il va
vu les sous qui nous restent, je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux. Alors probablement que toute notre route commerciale vont être pillées. Hein. Attends, ici la vache, il nous a coincé quoi. Il nous a coincé puis il nous a déclaré la guerre l'enfoiré. Autant dire qu'on va se faire défoncer le cul. Sangoku Bune, il a des bateaux avancés en plus. Ok. Ça va pas être une guerre maritime. Hein. Très clairement. Eux, ils vont rester gentiment là parce que de toute façon, ils vont me servir à rien pour l'instant. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et on va passer le tour. Hein. On va voir un petit peu. En plus, ils jouent en premier. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ok, là. Quand c'est lentement comme ça, les mouvements, c'est qu'il va y avoir un assaut. Ok, c'est mort. Oh la vache, les bateaux. 90, hein, vous voyez. Donc en haut, c'est les troupes d'assaut. Et en bas, les tireurs. On n'a pas le niveau. Hein. Et si on se replie? Est-ce qu'on peut se dégager? Non, en plus, on se replie en plein dans la mer. Où on prend de l'attrition. Bon, c'est la mort. Il l'a capturé du coup, ouais bah de toute façon, on peut pas y faire grand chose hein. Là on a pris beaucoup trop de retard, navalement, face à lui, il a dû commencer, c'est peut-être une faction qui commence sur les océans lui, qui a des bonus pour ça. Au moins on gagne un tour parce qu'il a pas fait de blocus, donc ça c'est plutôt cool. Nikaido, faut que je vois si on peut pas refaire une alliance peut-être. Éventuellement on pourrait le vassaliser à terme. Je sais pas trop, j'ai pas l'impression que en dehors des vassals par combat, le jeu soit très très orienté vassal. Hein. Alors on a perdu une flotte, là pas de surprise. On a beaucoup de bâtiments qui sont terminés, notamment de la nourriture, c'est parfait. On a recruté deux samouraïs améliorés. Nickel. Donc, on continue de se déplacer par là-bas. Toi, tu vas te déplacer par ici. Toi, tu vas continuer ton mouvement ici. On rattrape l'armée ici. Parfait. Hop, on se refait hein, tranquillement, ça nous permet aussi de gérer ça. Ça, c'était le reste de la garnison, qui va nous permettre de réactiver les taxes. Parfait. Et toi, bah tu te déplaces. Toi, tu te déplaces. On va investir dans... On a quoi comme armée, là? Des katanas samouraïs. Ouf, tu te déplaces beaucoup, toi. Jamais ils vont te rattraper. Peut-être. Peut-être qu'ils ont un mouvement lent au début. Visiblement, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir d'assaut. Mais je vais pas m'y fier. Hein. Il y a moyen que ça vienne. Et malheureusement, eux, ils sont loin. Ce qui nous fait une... comment ? Une zone de recrutement quand même assez éloignée. Et ça m'embête. Après on peut recruter ici à des prix plutôt intéressants. Donc pourquoi ils sont tous là-bas là? On va prendre deux Nodashi pour renforcer cette armée là. Et ici on va recruter deux Nanigata pour renforcer cette armée là. Il y a quand même beaucoup de samouraïs, hein. Il faut qu'on ait des armées quand même un peu équilibrées. Bon, sur ce flanc là, on n'a pas grand chose. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec nos 1000 balles qui restent? Ah, ici on a un emplacement. Donc si on veut faire ici, il nous faudrait le Foot Archery Range. Donc l'archerie dojo. Allons-y, on va faire ça.
On va essayer d'aller chercher éventuellement des archers moines, hein, c'est pas perdu. Et on va passer le tour et on va voir un petit peu ce qu'ils nous font. Ah oui, non, mais faut que je les bouge à la main parce qu'ils se bloquent eux-mêmes, quoi. Ok, on va gérer le pathfinding manuellement, pas de problème. Ah ouais, mon allié qui tente de faire des trucs, mais c'est perdu, je pense. Il va prendre de l'attrition comme un con pour rien. Ouais, c'est ça, replie-toi, t'as raison. C'est bien plus logique. C'est cool. Alors là, Sano, je pense qu'il l'a pas appelé parce que c'est toujours son allié. Donc il s'est dit qu'il allait nous gérer tout seul. Mais il y a toujours une chance qu'il l'appelle, hein, à n'importe quel moment, si jamais il se sent un peu en danger. Donc faut quand même qu'on fasse gaffe. Oh, Yamatsumis Warning. Alors, my lord. Les moines parlent d'un tremblement profond dans les montagnes et pensent que c'est un signe envoyé par Oyamatsumi. Ils ont peur de la colère de la terre et ils vous demandent d'apaiser le dieu montagne. 1500 balles et on gagne compassion du Bouddha, plus de conversion de la population. Ou on ignore les signes. On va l'honorer, j'ai pas envie d'un événement à la con, même si je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Alors voilà, on va pouvoir arriver sur le front, tout ça c'est des Nikaido, ça commence sous les Oda. Takeda ici, ok, ils sont là les Oda. Il y a beaucoup de montagnes, hein, c'est difficile de passer. Ouais, faut faire tout le tour là, il y a de la montagne tout là. Donc en gros les deux passages ils sont tenus par les Oda visiblement. Ok, donc on va plutôt se concentrer sur cet endroit-là du coup. Ok. Pareil pour toi, tu avances. Pourquoi d'un seul coup c'est vert là? Ouais, ok, non, c'est un problème de calcul. Donc là notre Metsuke il s'est arrêté comme un con. On va continuer de progresser. Puis on va faire progresser le Metsuke. Notre armée est vachement plus rapide que nos agents, hein. Purée. Il a des sacrés bonus, lui. Ici. On va se préparer à compenser nos pertes financières de type route commerciale. Ah, c'est vrai qu'on a récupéré le général ici aussi. Pas mal ça. On n'avait pas amélioré les routes ici du coup. Il va être temps. Ouais, quand je l'avais pas fait parce que je me disais que ça servirait plutôt mon ennemi là. Là il nous faut ce Stronghold. Ici sa gueule, mais bon bah il va gérer ce qu'il gérera tout seul. Hein. On peut pas tout faire à sa place. Est-ce qu'on a au moins des Strongholds partout? Ouais, visiblement oui. Ici oui, ici oui. Ici, oui, ici on peut construire un truc, seulement des étals, c'est tout ce qu'on peut construire. En même temps, on a déjà un Japanese. Qu'est-ce qu'on pourrait construire d'autre d'intéressant en vrai? Ça. Un temple, ça c'est toujours intéressant. Un petit bonus de recherche. C'est toujours pas mal. On va pas du tout faire de troupes dans dans cette zone de toute façon. Donc on va aller chercher le temple bouddhiste, mais plus tard du coup, hein. Ici, on a construit un Odachi Dojo. Ah oui, on peut faire les. Normalement, les samouraïs, non? Ah, ok, j'avais pas la bonne ville. Ok, les Nodashi sont là. Est-ce qu'on se prendrait pas un Metsuke de plus? Hein, avec les sous qui nous restent, si. Un petit Metsuke supplémentaire, on va essayer de faire travailler les agents.
Notre Daimo, il va rester là pour l'instant. Notre armée de pacification, elle pousse à 9 ici. Donc il va falloir encore un petit peu de temps. Mais ça va être construit au prochain tour. Ça va aider. Ok, progressons, progressons. Laissons les Oda faire leur vie. Ok, là il y a blocus. Très bien. Ça nous ponctionne direct, hein. On est passé de 6000 à 4500 hein, de budget. On a de la nourriture d'avance, donc on va se faire des marchés. Alors lui, il continue de jouer avec sa vie. Au moins, ça occupe Oda. Je me demande si je peux voir les accords de passage entre les autres comment les autres factions. Genre, est-ce que je peux voir si le Oda il a un accord de passage avec mon ancien allié? Ok, ça se construit bien. On a recruté ces deux-là. Ah oui, c'est peut-être ça aussi qui a fonctionné notre budget. Parce que du coup, là, lui, nous, on a toujours avec les Nikaido. Un accès, mais les Oda, on peut pas voir, hein. On voit que nos propres traités. Mais on sait que globalement, ils ont l'air de s'entendre assez bien avec eux. Non, pas les Rokkaru, les Nikaido, je voudrais. Tu voudrais pas refaire une alliance? Ouais, tu voudrais bien refaire une alliance. Hein. Il n'est pas fan de l'idée, forcément. Pour l'instant, j'ai pas besoin qu'ils me rejoignent. Donc, on va se détendre. Ici, on a dit on fait un temple. Et cette ville-là, on va faire un temple aussi, je pense. On a quoi déjà? Un marché. On va faire un temple. Est-ce qu'il y a des endroits où il faut qu'on construise? Non, globalement, pour l'instant, on a surtout de l'amélioration. Ok. Nos armées progressent bien, et ça, c'est cool. On va arriver jusqu'ici. On va envoyer notre ninja, qui a un petit peu d'avance, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut, un ninja qui a un petit peu de d'avance sur l'ennemi, enfin sur notre propre armée. Ici le Metsuke, il va par là. On va avancer jusqu'ici. Mais a priori là c'est fermé. Hein. Ouais, il y a de l'eau. Très bien, on peut pas passer, il y a un pont ici, mais ça a pas l'air d'être. Particulièrement plus ouvert. Ici, on progresse. On va laisser peut-être lui ici pour l'instant. On le fait venir avec nous. D'ailleurs, je peux peut-être le mettre, lui mettre un rôle à lui. Oui, on peut avoir le. Ça pourrait être notre commissionnaire de développement. C'est parti. Donc ça donne moins 2 de construction des buildings dans toutes les provinces. Oui, c'est pas mal. Je peux pas en sectionner plusieurs? Ah non, je peux pas sectionner l'agent. Ok. Tu vas rester là. Je décide que tu restes là. Par contre, toi, tu viens là et le moine également. Tu vas inspirer l'armée. Et juste au moment où on va sortir de notre zone d'action, on va être totalement refait. Ça, c'est cool. Bon, niveau archer, on a de l'archer de bouse, mais c'est pas très grave. Il reste efficace, comme on dit. Et vu notre budget, je pense qu'on est bien en termes d'armée pour le moment. Toi, tu peux avancer un peu plus, du coup.
et récupérer tout ça. Ah, c'est trop. C'est trop. T'as pas beaucoup d'archers, on va t'enlever tes Yari. Non, c'est pas trop. Si, c'est trop. Ouais, ok. On peut pas faire dans l'autre sens. Pourquoi je peux pas... Je peux choisir d'enlever la cavalerie, mais pas les Yari, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bah non, ça me va pas, ça. Putain. Qu'est-ce qui t'arrive, jeu? Ah, parce qu'ils ont plus de mouvement, peut-être. Ok, c'est seulement ceux qui ont encore du mouvement qu'on peut échanger. Intéressant. D'accord, un gameplay intéressant. Bah du coup, il faudra qu'on enlève peut-être quelques Yari à Shigaru. Ils iront en garnison là. Parce que je vais garder ma cavalerie. On a des Nodashi pour la charge. Tout ça pour tenir les lignes. On manque peut-être un petit peu d'archers dans cette armée, mais on va faire avec. Après, on a vu, hein, les forces de Oda, elles sont pas... Elles sont quand même assez vénères. Et c'est peut-être pas sur ce front-là. On verra, on va voir ça. Toi, est-ce qu'on peut se permettre de t'enlever? 9 contre 8. Ça va se rééquilibrer au prochain tour, donc on peut se permettre de commencer à avancer. Tu vas aller jusque là. De toute la vitesse de tes petites jambes. Toi, t'as rééquilibré ta montée au bonheur? Ouais. Parfait. Lui, on va le laisser là, parce que, après tout, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un de disponible. Ensuite, sur ce flanc, oh, on peut améliorer ça. Diminuer encore le coût de recrutement dans la province, c'est pas mal parce qu'on va en avoir besoin. Quoique non, on va investir plutôt dans l'archerie dojo ici. Pour pouvoir faire quelques archers, archers moines qui vont courir derrière les armées pour s'en occuper. Vous allez là, du coup vous êtes un peu lent malheureusement. Est-ce qu'on recrute? On va se recruter un Odashi Samurai. Alors c'est 777, alors que si on le recrute ici, 567, ouais, c'est clair que ça pique. Hein. Mais c'est pas grave, on va le recruter pour qu'il nous rejoigne. On va faire des stacks de recrues un peu haut niveau dans ces deux villes-là. Pour pouvoir aller nourrir nos armées au fur et à mesure. Et on passe le tour. Bon, c'est toujours l'hiver, hein, donc pour l'instant... on se replace, mais on reste relativement prudent, on va dire. Il n'y a pas d'armée dans ces bateaux. Alors, ils pourraient nous contourner totalement en mettant. Ça, c'est malheureusement un risque qu'on va devoir prendre. Je crois qu'on a quand même un potentiel de recrutement dans l'arrière-pays qui est pas neutre. Hein. En quelques tours, on peut monter une force relativement efficace. Et avec un petit peu d'expérience quand même. Et normalement du coup, vu qu'on a nos zones de commerce, on devrait voir s'ils déplacent des bateaux avec des troupes dedans. Donc il faut qu'il ramène ses bateaux jusque chez lui, qu'il embarque, qu'il reparte. On devrait pouvoir le voir et se préparer. Si nécessaire, genre avec l'armée du Daimo ou... Ok, on a la taxe réforme, et du coup on continue sur ça, qui va nous permettre d'améliorer pas mal de choses. Hein. Master Bowmaker, donc ça c'est le truc de pour les archers. Lakaway Workshop, je pense que c'est pas une suite du marché. Paper Mills, Artisan, Fletcher, ah non, ça doit être un... Ça doit être un bâtiment de zone. Ok. Ah, et ça y est, là on a les améliorations. Ah merde, est-ce que notre mec il l'a eu? Ah, dommage. Bah tant pis, c'est comme ça. Alors ici, du coup, toc. On reprend la cavalerie et on enlève un Yari Ashikawa. Ouais, on va essayer d'avoir l'armée la plus pleine possible. On va juste enlever lui et le replier là. Et donc là, on a une armée pleine.
Alors, progressons. Est-ce qu'il y a... Il a commencé à avancer? Il semblerait que non. Ici, on va vérifier, mais... Non, d'accord, il n'y a rien. Donc, on va se replier par là. Là, est-ce qu'on est plein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oui, on est plein. Là, si je prends toi et que je j'essaye d'aller dedans... Bien, on est plein, parfait. Le Metsuke, c'est un vieux niveau tout bidon, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller là-dedans. Ouais, pardon, c'est ça. Et on va avancer dans la forêt jusqu'ici. D'ailleurs, on peut avancer de 2 mètres de plus, donc on va les prendre. Pas s'emmerder. Là, il y a un petit blocus. Ouais, non, 80. Même un Shangoku Bune, ça suffit à bloquer nos navires de commerce. Hein. Il n'y a pas photo. Il n'y a clairement pas photo. Notre budget reste quand même très bon. Hein. Alors, ça ne vaut pas le coup, malheureusement, d'investir dans des ports pour débloquer des routes commerciales supplémentaires. Ça va nous faire d'autant plus mal quand elles seront shootées. Là c'est quoi qu'on a? Notre Metsuke. Ouais toi faut que tu te bouges toi. Tu vas nous permettre de maintenir les villes en état. Donc ici on est repassé à zéro comme prévu, c'est parfait. Notre armée de garnison, qui est quand même plutôt pas mal maintenant, hein, commence à avancer. On va lui recruter je pense des petits archers sur le chemin. Toc. Tant qu'on a 5000 de budget, on va continuer de se faire plaisir. Hop, voilà. Alors là, ça devrait nous plomber nos 5000 de budget, mais c'est pas grave. C'est le but. Est-ce que ici on n'aurait pas un bâtiment? Non, pas encore, dans un tour. Ah, nos deux ninjas ont été détectés. Ça c'est pas cool, mais bon. Oh, et le Black Ship a été vu. Un grand vaisseau est passé à l'est du Japon. Un magnifique navire européen de commerce avec plus de puissance de destruction que quoi que ce soit que nous puissions construire. On devrait le chasser et le capturer pour nous-mêmes. Avoir un tel bateau nous rendrait invincibles sur les mers, et c'est vrai. Alors le Black Ship c'est une caravelle, hein, un bateau avec des canons, etc. Si on arrive à le capturer, on peut le capturer, alors ça coûte très cher parce que forcément nos petits bateaux avec des archers, là, des canons, ça les pique un peu. Mais si on arrive à le capturer, on peut le lancer l'abordage avec plein de bateaux, etc. et réussir à le prendre, et ça peut être intéressant, mais bon. C'est hors de notre portée là pour le moment. Très clairement, c'est hors de notre portée. Du coup ici, je pense qu'on va progresser jusqu'à notre ninja au moins. Peut-être qu'on pourrait se cacher dans cette forêt. Ouais, on peut se cacher dans cette forêt. Cache-nous dans cette forêt. On va essayer de faire en sorte que notre ninja passe devant, même si vraiment ils sont tellement lents. Et on va arrêter l'épisode là pour cette fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.